Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR, une nouvelle séance de relaxation où je vais tenter tout simplement de vous relaxer en vous présentant le contenu de ce collector. Mais ce n'est pas n'importe quel collector, c'est tout simplement un collector ultra limité. Limité et en plus numéroté. De ce collector, ils n'en vendent pas beaucoup. Une fois qu'il n'y en a plus, impossible pour vous de le retrouver. Ou vous pouvez le retrouver, mais à un prix exorbitant. Alors ce collector, je l'ai payé pour 65 €. Là, comme vous le voir, il y a marqué le contenu de ce collector. Étant un grand fan de Johnny Hallyday, c'était logique pour moi de me le procurer. Et sans plus tarder, nous allons le déballer et voir qu'est-ce qu'il contient. Et en espérant que cette vidéo va vous plaire et vous relaxer. Alors par où je vais l'ouvrir? Attendez. Je vais l'ouvrir par derrière. Attendez, hop. Voilà. Alors attention. Alors dans ce collector, il y a des choses intéressantes que j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer le prix après. 65 € je l'ai payé. À mon avis, celui-là. Attendez, ça fait un peu trop de bruit. À mon avis, celui-là, une fois qu'il est vendu, vous allez le retrouver super cher. Attendez, je vois le prix. Le prix, il est juste ici. C'est le bon prix, ouais. 65 €. Et si parmi vous connaissent les vieilles canailles, tant mieux. Et pour ceux qui ne connaissent pas les vieilles canailles, en fait, c'est un groupe de trois. Et du Mutuel, du Réalité et du Dutron. Ils ont fait un concert et ils l'ont appelé les vieilles canailles. Et j'étais impatient de l'ouvrir et de vous le faire découvrir. Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Attendez, comment ça s'ouvre comme ça? Johnny Hallyday. Bien sûr, j'en suis très fan depuis que je suis tout petit. Et là, il y a Numérotère. Tout le monde connaît Numérotère, je pense. Une image de Numérotère au concert. Voilà pour les trois photos. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va pas s'en arrêter là. Ça, c'est tout simplement l'album live. Ok, ça doit être un vinyle. Attendez, hop. Le petit vinyle. Par contre, j'en suis désolé, je vais pas l'ouvrir, je vais le garder sous blister. Mes vinyles que j'achète de Johnny, ou qui contient Johnny, je les ouvre pas. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. À chaque fois que j'achète un album de Johnny ou des vinyles, je ne l'ouvre pas. Comme là récemment, j'ai acheté le... Attendez, il est sorti quand?
récemment, ils ont sorti un album de Johnny 2019. En fait, c'était un album de Johnny, mais qu'ils ont refait. Et je ne l'ai pas ouvert, bien sûr, j'ai 10 heures. Avec 10 heures, on peut tout écouter. Et bien sûr, derrière, nous avons les titres des musiques. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, dans les vinyles, il y a la face A et la face B. Il y a la face C et la face D. Et la face E et la face F. Il y a trois vinyles. C'est super intéressant. Ensuite, nous avons le DVD. Je pense que ça doit être le concert. Il y a le live. Que bien sûr, je vais pas ouvrir. Je vais essayer de voir si je le trouve en téléchargement. Et bien sûr, le regarder. Mais je vais pas l'ouvrir. Voilà pour le DVD. Après, dites-moi ce que vous en pensez de ce collector. 65 euros, ça fait pas du tout cher. Après, si vous voulez que je vous en fasse d'autres, des ouvertures comme ça, en collector de Johnny, mais seulement Johnny, j'en ai 2-3 dans mon local. Je pourrais vous le faire découvrir si ça intéresse certains d'entre vous. Ensuite, nous avons le Blu-ray, nous avons le DVD et le Blu-ray, qui est plutôt pas mal. Comme je possède un DVD, un Blu-ray et un 4K chez moi, je pourrais le regarder. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, je vais pas l'ouvrir, je vais essayer de le trouver en téléchargement. Bien sûr, je télécharge légalement, comme je le possède déjà. Si on possède le film, on peut télécharger légalement. Voilà pour le Blu-ray. Ensuite, nous avons le petit badge All Access avec les trois chanteurs, Jack Dutronc, Johnny et Jimmy Jell. Et a marqué LVC, je sais pas quoi ça représente, avec un petit cordon pour le mettre au cou. Mais bon, je vais pas m'en servir, je vais le laisser dans sa boîte bien au chaud. Alors, on va récapituler qu'est-ce qu'on a eu dans ce collector. Le vinyle avec trois vinyles à l'intérieur, les DVD, le Blu-ray, la carte. Attends, on va mettre ça bien. Je sais pas si on va bien voir le numéro, il est marqué juste ici. Hop, avec la lumière, je sais pas si on voit bien. Ou ça à l'envers, ou ça à l'envers, j'en sais rien. Hop, le numéro, il est juste ici. Je vous laisse appuyer sur pause et le lire. C'est un collector ultra, ultra limité. Alors nous allons regarder en détail le derrière. L'édition triple vinyle, on l'a. L'édition CD, 2 CD plus DVD, on l'a. L'édition Blu-ray, 3 tirages photo exclusifs, format A4, le pass All Access original de la tournée 2017. Voilà, voilà qu'est-ce qu'on a dans ce magnifique collector. 3 amis, 22 musiciens, 22 tubes, un concert historique, coffret intégral de luxe,
collector édition ultra limitée et numérotée. Je suis assez fier de mon achat parce que pour trouver celui-là après, eh ben j'en aurais chier. Alors dites-moi si vous voulez d'autres collectors, d'autres ouvertures de collector de Johnny, mais seulement Johnny. Je serai ravi d'en faire sur la chaîne. Et dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ce qui me ferait super super plaisir. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos ASMR. Bonne nuit à tous.